Bonjour. La fonte des neiges, le début du printemps, l'arrivée des morilles. Que du bonheur. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin des ingrédients suivants. Quelques échalotes, de la poitrine séchée, des morilles bien sûr, de la crème fraîche, du sel, du poivre et un peu de ciboulette. Les ingrédients de la recette. Des morilles fraîches, beurre, poitrine de porc séchée, échalotes, crème fraîche, ail des ours ou ciboulette, sel, poivre. Dans une sauteuse, mettre du beurre, dès que le beurre va fondre, voilà, on incorpore des échalotes. On va bien les graisser sans les colorer. Dès qu'elles sont bien grasses et bien enrobées, on peut disposer les morilles. C'est un ingrédient sensible et fragile. On va les traiter avec respect, délicatement. Voilà. Et on va les laisser cuire. Je vous rappelle que les morilles doivent être bien cuites parce que c'est un champignon particulier qui ont un goût extraordinaire quand elles sont cuites, mais qui peuvent être dangereuses si elles ne le sont pas. Il faut malgré tout les cuire doucement car la morille est fragile. À mi-cuisson, on incorpore la poitrine salée, coupée en bons morceaux. Et on continue à faire cuire. Les morilles sont cuites, je coupe la plaque. Et en dehors du feu, j'incorpore une bonne cuillère de crème épaisse. Que l'on incorpore dans les morilles. Ça va amener toute la douceur et l'arôme. On rectifie l'assaisonnement très légèrement de sel, tout petit peu de poivre du moulin. Il ne reste plus qu'à dresser une petite poêlée de morille à la crème et à la cansalade. Une pincée de ciboulette, quelques brins pour la décoration. Dégustez bien chaud et bon appétit. Les points importants de la recette. Cuire au beurre les morilles. À mi-cuisson, ajoutez échalotes et poitrine. Hors du feu, ajoutez la crème fraîche. Rectifiez l'assaisonnement. Dressez et décorez de ciboulette ou ail des ours. Bon appétit! À bientôt pour d'autres recettes sur notre chaîne YouTube. L'Africassé de morille, quel bonheur!